Gros coup de stress encore aujourd'hui en ouvrant mon application Bourse Direct. Et oui, j'étais en perte de 2,46%, pas d'euros, pourcent, quasiment 500 euros. Je disais, mais waouh, qu'est-ce qui se passe là? Nakon a fait faillite, Elior a fait faillite, c'est des lignes à peu près où j'ai 500 euros dessus. Je me suis dit, ça peut être que ça. Et je regarde le portefeuille et je vois que ouais, il y a quasiment tout est vert. En fait, je vois pas sur le coup, je dis, merde, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je perds 500 euros? Et après j'ai vu, j'ai fait, ben oui. Alors je comprends même pas comment ils ont fait, parce que je vous la mets là, la ligne Lighton est déjà sur le compte, donc ils l'ont mise. Alors du coup, ouais, ça fait 510 euros à peu près, un truc comme ça. Genre j'ai bien eu mes 50 actions du coup, hein, c'était ce que j'avais demandé grosso modo. Je les ai bien eu, la totalité. Et je pense qu'effectivement, plus tu le fais tôt, plus tu as toutes tes actions, plus tu le fais tard, plus tu risques de voir moins d'actions. Moi je l'ai fait assez rapidement. Et du coup, ben, je pense qu'ils ont retiré la somme des 500 euros et ils l'ont pas foutu dans mon portefeuille. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais je pense que c'est ça. Hein, là... Donc en fait, aujourd'hui, je gagne un petit peu d'argent parce que je ne perds que 460 ou un truc comme ça. Donc je gagne de l'argent. Mais vu qu'ils m'ont retiré la ligne, ils m'ont pas retiré, elle est sur mon portefeuille, mais en tout cas, ils la comptent pas de Lighton. Et ben, du coup, je perds 500 euros. Du coup, je suis à 19 950. 19 500. Ben, 19 500. Bah oui, bah normal, hein, il manque Lighton. Donc dès qu'ils auront refoutu Lighton, bah je repasserai à 20k. Hein. En fait, pour information, hier j'ai fini à 20k finalement. Hein, c'est vrai que dans la journée j'étais passé sous les 20k et finalement en fin de journée c'est remonté. Ouf! Donc on verra du coup la semaine prochaine les premiers pas en bourse de Lighton. Je pense que ça va être bon, hein, je pense sincèrement. Il y aura de la spéculation, on a vu qu'Nvidia a donné des bons résultats. Ça va monter au début, par contre ça va être spéculatif. Pour moi, je n'ai pas gardé très longtemps. Je vais peut-être la garder. J'aimerais bien faire un plus 100 dessus, qu'on monte jusqu'à 20. 25 euros. Après, attention, parce que j'ai peur que les résultats soient un peu décevants. Là, qui seront l'année prochaine. Donc, attention à ça. Il l'avait annoncé, mais j'ai peur que le marché l'ait oublié déjà. Donc, voilà. En tout cas, aujourd'hui, je perds beaucoup, mais c'est normal. C'est à cause de la ligne de Lighton qui est arrivée sur mon compte. Et du coup, c'est en avance. Et ça, ça me fait plaisir parce que les fois d'avant, souvent, ça arrivait un peu en retard. C'était un peu chiant. Là, elle est déjà là, alors que c'est censé coter, je crois, la semaine prochaine. Hein. Je me sens que c'est lundi ou mardi. Sur ce, je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.